Allez, tu vas réussir à se transcender, à aller chercher une victoire. Ah, Anaïs Garnier, ça t'avait transformé, Mix a pris l'option vers la victoire. Et c'est Sarion avec toute sa ligne de Rougier. Et qui a gagné de la profite de la la troisième position, voilà le podium à l'issue des deux premières lignes. Anaïs Garnier qui a remporté hier, et bien la troisième manche a remporté la quatrième manche avec Camille Broussier du club de Sarian, et on parlera de Mélise Minello sur la troisième manche du podium. Le leader de la Coupe de France de la catégorie des U17, Evan Oliveira de BMX de Besançon, est sorti fort de la grille de départ alors que ça s'est accroché. Et que je confirme, voilà Thierry Venturini qui tente de revenir éventuellement. Et bien pour reprendre la deuxième place à Louis Gauthier. Alors que devant, c'est bien Besançon avec Evan Oliveira qui s'appuie la victoire. Alors à bouger, à rester complètement enfermé dans cette première partie de piste. Et c'est Louise Potier, le conduit très fort. Ah oui, c'est bien cette candidate qui tente d'aller chercher la victoire. Alors que c'est Lucie son tour à la deuxième place. Et oui, monsieur Lucie son tour qui est venu se mettre dans la roue arrière. Denise Potier, on va parler maintenant de la troisième position de Coralie Moustier. Sérieux, GT Factory BMX qui va rentrer à une troisième place. Est-ce que Louise Potier va réussir à remporter cette finale? Oui, Louise Potier, Lucie Sautour et Coralie. Ouais, ici on le met, a eu un premier coup de pédale très efficace. Fédéo de Bougeant, Saint-Brieuc, l'équipe à venir arrive. Et bien en tête dans cette discipline. Axel Etienne, l'envers victoire, a claqué le one-shot dans cette grande finale de la quatrième étoile de la Coupe de France. Et c'est la reine du BMX, Marianne Cologne, et qui organise la chasse. Et Manon se glisser sur les intérieurs. Mariana va tenter de revenir dans le virage. Manon Vilstra, mais c'est bien Axel Etienne qui s'en va vers une victoire avec Manon Vilstra sur la deuxième marche du podium. Et Mariana Parone pour la troisième place. Ouais, sur l'intérieur, Arthur Pilar a pris les commandes de cette finale. Est-ce que c'est lui qui va prendre la tête? Oui, alors que derrière ça, avec Mathis Rago-Richard en lucidité de venir solidement et bien se placer la troisième place. Arthur Pilar qui s'appuie la quatrième étoile.